Aujourd'hui commence la diffusion d'une série d'émissions consacrées à la littérature et à l'édition suisse que nous avons tournée sur place. Nous avons choisi des régions moins connues des Français, comme le canton du Tessin, italophone, et celui des Grisons, où je suis en ce moment, où l'on parle l'allemand et le romanche, cette vieille langue romane qui jouit aussi dans la Confédération helvétique du statut de langue nationale. La Suisse, rappelons-le, couvre 41 000 km², dont les Alpes occupent 60%. La population est de 7 millions d'habitants, dont les Suisses allemands représentent 64%, les Romands francophones 19%, les Italiens 7,5% et les Romanches 0,6%. Pour visiter le pays, il ne faut pas se priver du remarquable Voyage en Suisse, une anthologie de textes composée par Claude Rechler et Roland Ruffieux et qui est parue dans la collection bouquins de chez Robert Laffont. Leur ouvrage, écrivent-ils joliment en préface, est conçu comme un herbier dans lequel le désir le dispute au savoir. Car si la Suisse a longtemps fait peur, à cause de ses montagnes, elle a toujours attiré les visiteurs et notamment les écrivains romantiques, fascinés par ses sommets, par ses villages, ses forêts et ses vallées. Les Suisses vont à la gare, mais ils ne partent pas, a écrit quelques mauvais plaisants qui faisaient bon marché de Blaise Cendrars. Du moins, leur rend-on visite. Derrière moi, Saint-Moritz, au cœur de cette haute Engadine, dont le nom résonne comme celui d'une friandise, et qu'ont aimé, ce livre en témoigne, Jules Michelet, Hermann Hesse et André Gide. Pour tout dire, on les comprend.